Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Une liaison TGV entre Bordeaux et Orly, elle sera mise en place dès la semaine prochaine au départ de la gare Saint-Jean. Pas de quoi satisfaire, vous verrez, la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde qui réclame le maintien de la liaison aérienne. Protéger les plus fragiles, c'est l'objectif du plan hiver mis en place par la préfecture. 12 913 places d'accueil pour les sans-abri en Nouvelle-Aquitaine. Un hébergement d'urgence complété depuis hier par 537 places ouvertes par le ministère du Logement pour faire face à la crise sanitaire. Et puis vous verrez dans ce journal que les producteurs néo-aquitains misent beaucoup sur les fêtes de fin d'année. Exemple avec un producteur de caviar du Tech très impliqué, impacté par la crise. Mais d'abord, le déconfinement va-t-il pouvoir être amorcé comme prévu la semaine prochaine? Le Premier ministre Jean Castex doit prendre la parole ce soir à 18h pour donner la marche à suivre. Le 24 novembre, Emmanuel Macron avait conditionné ce déconfinement à 5000 cas de Covid-19 par jour en France. Des chiffres bien loin de la réalité, puisqu'hier, près de 14 000 nouveaux cas ont été comptabilisés dans le pays. En Nouvelle-Aquitaine, vous le voyez, on observe une stabilisation, un plateau de l'épidémie. 1307 personnes sont hospitalisées dans la région et le taux de positivité s'élève à 5,2% selon les derniers chiffres de Santé publique France. À partir de mardi prochain, on pourra rejoindre Orly en TGV depuis la gare Saint-Jean de Bordeaux 5 fois par jour. C'est le résultat d'un partenariat conclu entre Air France et la SNCF. Cette liaison ferroviaire va-t-elle alors enterrer définitivement la navette Bordeaux-Orly? Le président de la CCI Bordeaux-Gironde, qui continue à se battre pour le maintien de cette liaison aérienne, ne veut pas le croire. Écoutez. Là, on se retrouve peut-être avec deux solutions à terme, puisque de toute façon, la liaison aérienne Bordeaux-Orly n'est pas terminée. Il n'y a pas de décision définitive de l'État, puisque d'abord, il y a un problème juridique. Donc, l'État ne peut pas, en l'état, sans jeu de mots, prendre cette décision. Donc, nous travaillons toujours sur cette solution plus écologiste avec des nouveaux avions, mais nous ne lâchons pas, avec la métropole notamment, cette solution. Et donc, là, ce qui a été énoncé par ce mariage un peu surprenant entre la SNCF et Air France d'une autre solution est toujours intéressante. Après, moi, je demande à ce que l'on fasse deux choses. Un comparatif en termes de temps de transport et un comparatif bilan carbone comparatif, parce que je pense que la proposition qui est faite par SNCF Air France est un peu compliquée quand même. Voilà, la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde qui a d'ailleurs dévoilé hier son baromètre sur l'hôtellerie dans la métropole bordelaise. Le secteur est en détresse selon la Chambre de commerce et d'industrie. Le taux d'occupation a chuté de 40% par rapport à l'an dernier. Dans le cadre du plan hiver, la préfecture de région a prévu d'ouvrir 1123 places supplémentaires d'hébergement d'urgence en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi de renforcer les maraudes et les accueils de jour. Un plan hiver qui fera suite dès mardi à une nouvelle période de confinement. Reportage au centre d'accueil de nuit Trégey à Bordeaux avec Dominique Parmentier. Dans ce centre d'hébergement d'urgence, 94 personnes peuvent être accueillies pour 15 jours renouvelables et maximum un mois sur orientation du 115. Depuis le début de la crise sanitaire, il ne désemplit pas. On a de plus en plus de personnes de moins de 30 ans. Donc on sent bien aussi que la pandémie impacte les jeunes. Donc ça, c'est une réalité. Et on accueille beaucoup de demandeurs d'asile aussi dans le centre. Et après, des gens de la rue. 24 places dans ces camions mobiles sont dédiées aux femmes, de plus en plus nombreuses, elles aussi. Un accueil de nuit qui s'est transformé en accueil H24, confinement oblige. Donc on va passer d'un régime confinement à un régime hivernal. C'est-à-dire qu'en fin de compte, presque en 2020, avec la pandémie, on est resté ouvert toute l'année, toute la journée. Ce qui n'était pas le cas en période habituelle, puisqu'on ferme normalement de 9h à 17h. Ici, on ne repoussera donc pas les murs pour la période hivernale, mais les équipes, 17 personnes au total, continueront d'accueillir les sans-abri toute la journée, avec les mêmes moyens octroyés par l'État. On a les moyens du plan confinement et on aura les moyens du plan hiver. Puis on aura les moyens nécessaires en termes d'alimentation, parce que ça, c'est un vrai sujet pour nous. Donc on va être en capacité de servir le repas du midi et le repas du soir et le petit déjeuner et des fois une petite collation à 4 heures. Au-delà des 1123 places supplémentaires, c'est donc tout un dispositif qui sera renforcé cet hiver, notamment en Gironde.
Également du dispositif hôtelier, bien sûr. Nous avons surtout renforcé les maraudes du SAMU social ainsi que les écoutants du 115, bien évidemment, pendant toute cette période-là. Les accueils de jour sont également ouverts H24. Hein. Nous avons 9 accueils de jour dans le département de la Gironde. Nous avons également ouvert des places pour mailler le territoire sur le Libournais et sur le bassin d'Arcachon. Une année exceptionnelle donc pour la prise en charge des plus précaires. La crise Covid aura coûté près de 5 millions d'euros supplémentaires à l'État, notamment pour l'aide alimentaire. Et dans ce contexte inédit de crise, le ministère du Logement a annoncé hier avoir ouvert des places supplémentaires pour accueillir les SDF et notamment ceux malades du Covid-19. En Nouvelle-Aquitaine, ce sont 537 places d'hébergement d'urgence supplémentaires qui sont actuellement ouvertes. Il faut sauver les producteurs de la région. Foie gras, huîtres, chapons, votre repas de Noël est un produit du Sud-Ouest. L'agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine qui aide les producteurs de la région à commercialiser et à communiquer sur leurs produits lance une grande campagne de com pour inciter tous les Français à consommer Sud-Ouest avec notamment un spot de pub animé par un chef landais. Regardez. Pour l'ensemble de ces filières festives, la période des fêtes de fin d'année, c'est entre 50 et 70% de leur chiffre d'affaires. Notamment les huîtres Marano-Léron, le caviar d'Aquitaine, le foie gras du Sud-Ouest, qui est une très très grosse filière en Nouvelle-Aquitaine, toutes les volailles des Landes aussi, les volailles fermières des Landes, le beurre Charente-Poitou, toutes ces filières ont un gros marché sur la période de fin d'année. Et donc, et on a besoin de les accompagner dans cette période de crise qui leur ferme des marchés, notamment de la restauration, qui sont cruciaux pour eux. Voilà, donc on espère qu'avec cette communication vers les familles qui vont avoir un repas de fête à la maison, on pourra compenser un petit peu au moins ces manques des débouchés traditionnels. Et pour commencer, on va s'ouvrir quelques huîtres Marano-Léron affinées en clair. Et si vous voulez vraiment vous faire plaisir, vous déposez quelques graines de caviar d'Aquitaine directement dans l'huître. Moi, je me suis engagé depuis que je suis né, en fait, parce que je suis tombé dans les Landes avec mes parents et un oncle qui fait du foie gras, un maire du village qui fait des volailles, un copain qui fait des kiwis ou des asperges. Donc, je suis né au milieu de tous ces beaux produits. Donc, l'engagement, pour moi, est instinctif. J'ai cuisiné, en fait, tous ces produits depuis tout gosse. Et petit à petit, évidemment, je les ai montés à Paris dans mes restaurants, quoi. Alors, ce sont des produits qui sont présents au national, majoritairement en grande distribution, dans les épiceries fines et tous les commerces de bouche. Donc, il est tout à fait facile de se les procurer. Et parmi les produits de la région, le caviar qui compte plusieurs producteurs à travers la Nouvelle-Aquitaine, des producteurs touchés de plein fouet par la crise sanitaire en cette période de fin d'année, pourtant cruciale pour leur chiffre d'affaires. Reportage à l'esturgeonnière du caviar Perlita, Autèche. La production de caviar Perlita tourne aujourd'hui au ralenti. Pour faire face à la crise, les ovocytes de certaines des 40 000 femelles de l'élevage n'ont pas été récoltés. Un bouleversement quand on sait qu'une femelle met jusqu'à 2 ans pour produire des œufs. Le cycle d'élevage du poisson est déjà long puisque c'est un cycle qui dure 8 ans. Mais donc là, ça veut dire qu'on rajoute encore 1 à 2 années avant de pouvoir produire cette femelle. Donc ça rajoute des coûts de production, ça rajoute des coûts d'élevage et puis du coût de stockage aussi après sur le site. Chaque année, l'esturgeonnière produit jusqu'à 4 tonnes de caviar, une production qui dépend essentiellement des commandes des restaurateurs. Avec une baisse des ventes de 40% sur le mois de novembre, le soutien des particuliers sera décisif en décembre. Bien évidemment, c'est le moment le plus important. Donc, en essayant et en imaginant que l'on va pouvoir compenser la baisse des professionnels contraints de fermer par une hausse substantielle de la clientèle particulière autour du caviar français et du caviar d'Aquitaine, oui, il est possible de penser et d'imaginer que notre filière va pouvoir passer le cap de cette crise. Une filière dont les représentants se sont entretenus avec le ministre de l'Agriculture pour que l'origine France soit privilégiée dans les grandes surfaces. Restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant.